De ce que je peux vous dire, la latence est très très faible. Elle est très faible. J'ai essayé sur des écrans d'ordinateur, sur des télévisions. Il y a beaucoup de latence. Ah. La latence est extrêmement faible. J'ai rarement vu ça. La qualité d'image est top. On ne voit pas trop les pixels. Alors, je vous montre. Hop. Donc là, on voit pas trop à travers la caméra de la GoPro et quand on regarde dedans, on a l'impression que la qualité est pas top. Mais sérieusement, c'est super. C'est super. C'est super. Là, l'image que vous avez vue, c'est avec une petite caméra à 8€, une petite truc de Skycamlade quoi. Mais ça marche bien. Ça marche bien pour de la Camlade. Donc voilà, assemblé. Donc je vous conseille de rajouter les deux lentilles l'une à l'autre. J'ai mis une fois 1 et la fois 1,25. Le rendu est pas mal. Après, je ferai plusieurs essais. Peut-être que je rajouterai dans la vidéo quelle lentille est la meilleure. Mais en tout cas, super acquisition. 50€ en Europe, port compris. Ultra valable. Si vous n'avez pas vous déplacer avec un écran, les alim, les machins, les transfo, ce que je faisais au début avec un écran 24 pouces, et bah écoutez, faut pas se prendre la tête, faut prendre ça, au moins on casse pas son écran. Gros avantage de ce boîtier, de ce que j'ai vu, il donne un Y, parce que souvent on va pas voler seul. Ça doit être ça. Donc souvent on va pas voler seul. Donc gros avantage du Y vidéo, c'est que vous pouvez brancher un écran pour les personnes pour qu'ils profitent de votre vol. Pour les gens qui vous accompagnent. Donc c'est top. Voilà. Je vais rajouter des commentaires, des machins dans la vidéo. Voilà, voilà. Je vous montre le rendu final. Donc, c'est sûr que c'est un peu pesant sur le nez. Je vais voir à l'essai. Mais je pense qu'avec la mousse, ça devrait aller. Puis un bon réglage. Descendre.